Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'atelier. Eh bien, on est la semaine d'Halloween, alors bon, du coup, un petit peu de retard et bon, on n'est plus en octobre, mais voilà, il y a eu un petit problème de poignet hein, pour ceux qui nous suivent d'ailleurs. N'hésitez pas à nous suivre sur Insta et sur Facebook. Comme vous l'avez remarqué potentiellement avec le titre, la miniature, les décors, l'intro de la vidéo, on va évidemment faire une vidéo spéciale sur le Roi Lion. On va faire une vidéo sur Batman. Pour fêter la sortie, rien du, y a pas de, non en fait, y a rien. Il y a un jeu qui sort. Il y a un jeu qui sort. Voilà, bah voilà, bah y a un jeu qui est sorti du coup. Et on n'est pas du tout sponsorisé par eux. Mais en tout cas, bon voilà, c'est la période d'Halloween. L'année passée, on vous avait fait une petite légende sur le diable. N'hésitez pas à aller la voir, il y a une petite fiche là. Cette année, j'ai décidé peut-être de faire une vidéo création parce que ça fait un petit temps qu'on n'a plus fabriqué des trucs dans l'atelier. Vous avez eu à la rentrée l'Odyssée du bois et puis après une histoire de marque. Je pense qu'il était temps de refaire un petit peu de fabrication. Et bah, voilà, dans l'univers un petit peu sombre, un peu dark, Batman, je trouve que c'est pas mal. Puis donc du coup, on a décidé de se lancer un petit projet autour de Batman et quoi de plus sympa, de plus iconique et peut-être de plus simple pour se remettre dans le bain de la création que de fabriquer un batarang. On va tenter de créer un batarang basé sur le design des films de Zack Snyder. Je dis basé dessus hein, parce que voilà, on a pris un peu le design et on va voir un peu ce qu'on sait faire, on va voir comment on peut le travailler. Évidemment, bah, dans cet épisode, vous l'avez deviné, il n'y aura pas beaucoup de travail du bois. On va travailler uniquement et essentiellement le métal. Heureusement, derrière ce mur, il y a un petit espace dans lequel on va pouvoir travailler le métal, faire de disquer, souder un petit peu, certainement, découper, enfin voilà, il va y avoir un peu de tout. J'espère en tout cas que cette vidéo va vous plaire et on va se lancer dans cette création. Je croise les doigts pour que ça marche correctement et ben c'est parti, on va aller découper du métal, mais avant ça on va imprimer un petit gabarit tout simplement pour pouvoir tracer sur le métal et puis ce sera parti pour la découpe. Je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. C'est parti.
Ça y est, c'est fini. Alors, il nous aura donné quand même du fil à retordre, comme d'habitude finalement. C'est pas pour rien qu'on fait souvent des astuces historiques, enfin des trucs historiques, des trucs découvertes et tout ça, parce que finalement à chaque fois que je me lance maintenant, parce que bon, Mops c'est plus là, mais que je me lance dans un projet, il y a toujours des merdes. Faut dire que là en plus, le tournage s'est étalé sur beaucoup beaucoup de temps, parce que j'ai eu problème de mon poignet, puis on a eu d'autres tournages entre temps, etc. Donc c'est resté très longtemps en cours. On a là maintenant terminé, bah, comme vous l'avez vu, les derniers coups de peinture dessus. Ça n'a pas été du premier coup, la peinture, les premières bombes de peinture qu'on utilisait n'ont pas tenu. Finalement, avec les outils que j'ai, eh bien, aiguiser la chose n'est pas évidente, surtout qu'elle a plein de petites courbes, de recoins, etc. Ça faisait longtemps que j'avais plus vraiment travaillé du métal comme ça, donc bon, voilà. Ça, pour une reprise, c'est pas trop mal. Bah, il a déjà été utilisé, quoi, il est un peu vieilli. Bon, on a quand même décidé de le peindre en noir, même si l'original, si je dis pas de bêtises, n'est pas peint en noir. Mais voilà, c'est quand même un peu plus sympa. La peinture est pas complètement sèche encore, donc je vais le manipuler avec délicatesse. Donc il coupe quand même un petit peu. Hein. Maintenant, je suis pas sûr qu'en le lançant, il se planterait dans quelque chose, parce que les pointes sont pas complètement pointues. Donc on va malheureusement pas faire de magnifique lancer. Peut-être qu'entre temps j'aurai envie de l'essayer, je me filmerai et je le mettrai sur Instagram. Donc suivez-nous sur Insta si vous voulez voir le test du lancer de ce batarang. Voilà, bah comme d'hab, il y a eu pas mal de petites difficultés, mais c'était quand même sympa. J'espère que ça vous a plu de voir un petit peu des images différentes que du ponçage et de la découpe de bois comme on le voit tout le temps sur cette chaîne. J'espère que ça vous a peut-être donné envie d'essayer et de vous lancer aussi un petit peu dans le travail du métal. Je sais pas trop quoi vous dire de plus, en tout cas je vous souhaite potentiellement un bon Halloween, même si on est un petit peu en retard, mais on est toujours dans la bonne semaine, hein, donc normalement ça vaut toujours le coup. N'hésitez pas toujours à vous abonner à la chaîne, ça c'est hyper important. Abonnez-vous, partagez un maximum les vidéos, c'est comme ça qu'on va pouvoir rassembler de plus en plus de monde sur la chaîne, et ça fait toujours plaisir de partager un maximum les vidéos. Pensez à nous suivre aussi sur Facebook, Instagram, Twitter, et n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur notre chaîne Twitch. On se retrouve la semaine... Non, pas la semaine prochaine, on se retrouve dans 2 semaines avec une vidéo historique sur une histoire, mais pas une histoire de marque, vous allez voir, c'est une histoire d'un outil. On va se replonger, comme on l'avait fait sur la vidéo qui s'affiche là, sur les foreuses, on va se plonger dans l'histoire d'un autre type d'outil d'ébénisterie. Pour ne pas les rater, encore une fois, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, à commenter la vidéo pour nous dire ce que vous avez pensé potentiellement de notre batarang, si vous avez des conseils sur d'autres manières de le faire, si vous l'auriez fait autrement, si vous avez testé aussi ce genre de création en métal et comment vous l'avez fait. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a quand même intéressé. En tout cas, nous on s'est bien amusé à la tournée, même si ça a été réparti sur plein de moments. Merci à vous, et puis tchuss les ateliers.